atmosphere is changing. Nothing stays the same. Breeze on, yeah, yeah. Breeze on, yeah. Breeze on, yeah, yeah. Fall on, let go, my Jehovah. So ce soir, nous allons parler d'un sujet très important. Tonight we're going to talk about something really important. Important pour notre croissance spirituelle. Important for our growth. Pour notre marche avec le Seigneur. Important for our walk with God. Important pour la réception de la bénédiction. Important for the reception of the blessing from God. Important pour la production. Important also for la production, being able to donner des fruits. And that means produce fruits. Cette année, c'est l'année de l'abondance. Oh, alléluia. Dans cette dimension, on va se discipliner. Nous allons abundance. Rester dans la présence du Seigneur jusqu'à ce que cette dimension-là, tu vois la gloire de Dieu. The glory of God. Ce sujet s'agit du cœur. And we're going to talk about the heart. Faut dire mon cœur ce soir. Say my heart. Dis mon cœur. My heart. Donc il est question de cœur. Alléluia. And it's about your nous n'allons pas trop sortir de Hébreu cette année. Dieu nous a bénis avec Hébreu. Donc on va disséquer tout ce que le Seigneur nous donne dans Hébreu. Le Seigneur va nous emmener dans d'autres paroles. Nous allons y aller. This year, God, mais nous allons rester. Like the book of Hebrew, and we are going to take the time to go through and deep within that word of God. Parce que c'est un trésor que le Seigneur nous a donné. Because it's a treasure that God has given us. Et le thème c'est le cœur, source de vie et siège de la bénédiction. And the theme for tonight is the heart, the source of life, and the place where the blessings dwell. Est-ce qu'on a saisi? Amen. Le cœur, source de vie, et siège de la bénédiction. So again, the heart, the source of life, and the siege of blessing. Alléluia. Amen. Alors, Hébreux 10, 22. So we're going to read in the word of God, Hebrews 10, 22. La parole nous dit dans Hébreux 10, 22. The word of God says in Hebrews 10, 22. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le cœur lavé d'une eau pure. Amen. The word of God says, let us approach with a sincere heart and in absolute trust, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed in pure water. Alléluia. Amen. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, Amen. Lavé, purifié. Amen. Mais je vous assure, on n'aura même pas à faire trop d'efforts. Lorsqu'on va se rencontrer, on va élever la voix vers le Seigneur. La grâce de Dieu va descendre. Si nos cœurs sont purs et sincères, with a pure heart, lavé, alléluia. Washed heart, we won't have to do too much. We'll come before God and He will open the windows of heaven. Le cœur doit être sincère. Our heart needs to be sincere pour recevoir la semence de Dieu. To receive the seed from God. Et pour donner du fruit. And to give out fruits. Mon frère, to produce fruits. Je sais que beaucoup savent cela en médecine. Lorsqu'il y a fécondité, le premier organe qui commence à fonctionner, c'est le cœur. We can see je sais pas, on that a un docteur science, parmi nous. S'il peut approuver, amen. In science, when alléluia. Is coming together and when a life is created, the first thing that is created is the heart. Alléluia. Amen. Lorsque le fœtus bat, c'est le cœur qui bat là. When the baby, when the fetus is beating, it's actually the heart of the baby that is beating. Alléluia. Amen. C'est le cœur qui bat. Donc c'est ce pourquoi lorsque même si tous tes organes ne fonctionnent plus, mais tant que ton cœur bat, on ne peut pas déclarer que tu es mort. That's why we can see that even though all your organs are dead, if your heart is still beating, they won't declare that you are dead. Alléluia. Amen. Mais tant que ton cœur bat, tu es vivant. As long as your heart mais quand ton cœur lâche, on peut you déclarer que tu es mort. Amen. When your heart gives away, then they can say that you are gone. Et je vous assure que dans
recevoir la parole de Dieu, la bénédiction de l'Éternel, le cœur joue un rôle très important. And I can tell you for sure that in receiving the blessing from God, your heart plays a very important role. Et dans la production, c'est-à-dire. And also in producing the fruits from that seed. Donner du fruit. Amen. C'est très important. Amen. Nous voudrons atteindre nos dimensions de notre vie. Nous voudrons croître dans notre vie spirituelle. Nous voudrons toucher des choses. Nous voudrons expérimenter la grandeur de Dieu. Mais nous devons savoir que notre cœur joue un rôle très important. When we want to experience a new life with Christ, when we want to enter different places, when we want to go and move forward with God, we need to understand that our heart plays a very important role. Beaucoup sont bloqués simplement à cause de ce qui se passe dans le cœur. Many cannot move forward because of what is going on in their heart. Alors prenons la parole so let's read sur laquelle God nous allons nous baser dans Matthieu 13. A main one in Matthew 13. Et on connaît cette parabole, amen. Et le Seigneur maintenant nous fait rentrer dans les paraboles du royaume. Matthieu 13, à partir, on peut lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Et ensuite, nous allons lire encore pour tomber dans l'explication que le Seigneur Jésus lui-même donne de cette parabole après. Amen. Qui a son âme? Qui a son âme? Alléluia. Il faut toujours avoir son âme. Alléluia. L'âme qui est la parole de Dieu. C'est l'épée. Même si on a le portable, il faut avoir aussi la Bible. Parce que le portable, le wifi peut disparaître. Alors la parole de Dieu nous dit... Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Vous connaissez vraiment cette parole puissante. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a lu la parole? Amen. On a écouté la parole? Amen. Mais vous allez comprendre ce que le cœur, quel est le rôle du cœur dans l'histoire de recevoir la parole, la bénédiction ou la production, les témoignages qui sortent de nos vies. La procréation, alléluia, à toucher les choses. What's the goal of your heart in receiving the blessing of God? Alléluia. Amen. Donc voici l'histoire. Nous connaissons cette histoire. Nous connaissons la parole de Dieu. Amen. Donc un semeur est sorti pour aller s'aimer. So we just read the word of God and it says a sower went out to sow. Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque il a commencé à jeter la semence. Il y a une partie de la semence qui est tombée le long du chemin. Some seed fell on the path. Et ce qui est tombé le long du chemin, les oiseaux sont venus manger. And what fell on the path, the birds came and ate that. Une autre partie est tombée dans des endroits pierreux, c'est-à-dire sur des pierres. Another seed fell in the rocky ground. Donc c'est resté à la surface, amen. So it just stayed on the surface. Parce qu'il n'y avait pas assez de terre. Because there was not enough. Et lorsque le soleil s'est levé, ça a séché les graines. And when the sun came out, it dried the seed. Parce que les graines n'ont pas pu rentrer dans le sol pour pouvoir s'enraciner. Amen. Amen. Because the seed could not get to the roots of the soil. So it Et une autre fall. Partie est tombée dans des épines. And another part fell in the thorns. Et les épines ont étouffé. And when C'est the vrai. Thorns grew up, it just choked the seed. Alléluia. Amen. Et la quatrième partie est tombée sur la bonne terre. Faut dire la bonne terre. Alléluia. Dis encore la bonne terre au nom de Jésus.
Parce que ce soir, c'est la bonne terre. Ce soir, la terre va se fertiliser. Ce soir, tout ce qui est rocailleux va connaître la disparition totale. Tout ce qui est pierreux va commencer à se casser. Parce que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est le marteau qui casse les gros cailloux, qui casse les cailloux. Alors tout ce qui est pierre ce soir, Seigneur mon Dieu, sur tous les cœurs, Seigneur, est cassé ce soir au nom de Jésus. In Jesus' name. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lancer un amen puissant? Amen. Alléluia. Amen. 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 Alors nous passons à l'explication. Et Jésus-Christ nous a donné cette explication dans la parole. Amen. Jesus himself gave us the explanation. On va sauter tout ce qui se passe après cette parabole. Ses disciples et ceux qui étaient clos sont venus dire, ah, Jésus, mais c'est comment Seigneur? On ne comprend pas. Mais d'abord, pourquoi tu parles en parabole? And after he gave that parable, his disciples came to him and said, God, we do not understand what you said. Mais il a dit quoi? Le Seigneur Jésus avait répondu. Il a dit, mais pour vous, vous connaissez déjà les secrets du royaume. And Jesus told them, for you, you already know the secrets of the kingdom. Mais c'est pour ceux qui ne comprennent rien. Je parle en parabole afin que la parole de Dieu se réalise. So that the word of God can pass. Amen. Que ceux qui ont des oreilles entendent. So that those who have ears can hear it. Amen. Amen. Et alors, il va à l'explication. À partir du verset 18, starting from verse 18, il dit, vous, donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Alléluia. Amen. Toujours Matthieu 13, à partir du verset 18. Amen. Amen. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Vous vous rappelez, la première semence qui est tombée le long du chemin. Donc c'est ce premier homme qui a écouté la parole, mais qui n'a rien compris. Alors le diable vient, il lui arrache la bénédiction. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. On écoute une bonne parole, un bon enseignement, on est heureux, amen. On est vraiment béni, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alléluia. Amen. Voici la deuxième explication de ceux qui ont reçu la parole dans un endroit pierreux. Amen. Amen. Donc le chant, comme le Seigneur nous dit ici, le chant, c'est notre cœur. So la terre, c'est notre cœur. Et vous allez voir à travers la parole pourquoi c'est notre cœur. Et lorsqu'on parle d'un chant, le chant, c'est un bien pour nous. Amen. Le chant produit. It's a blessing for us. Le champ permet à ce qu'on puisse manger. It gives us the food that we need to feed. Et lorsque nous vendons des fruits de ce champ par moment, and when we sell the fruits that we get from that, nous recevons de l'argent. Amen. We get money back pour vivre. To live. Donc le champ, c'est la portion de terre land, que le Seigneur nous donne de cultiver. A land is a blessing for God that God himself gave us. Et cette terre, mon frère, ma soeur, c'est le cœur. Pour dire cette terre, c'est le cœur. Alléluia. Il dit, du cœur vient la bénédiction. And God says, from the heart, mon frère, ce soir, the blessing. L'état de nos cœurs vont changer. Tonight, je vous assure, your heart needs to change. Mais des choses impossibles vont se passer au nom du Seigneur Jésus. That you cannot believe will happen in Jesus' name. Alors, lorsque nous parcourons le livre de Exode, and when we go through the book of Exodus, et vous comprenez pourquoi lorsque Dieu a fait sortir son peuple de l'Égypte, il disait dans la parole qu'il y a un raccourci. The word of God says that there was a shortcut to go de l'Égypte to the à Canaan. Il y avait un raccourci. There was amen. A shortcut that existed. Mais pourquoi Dieu a fait passer son peuple dans un désert pendant combien d'années? Un peuple qui a déjà souffert pendant combien d'années en Égypte? 400 ans. Did suffer for 400 years and fast. Mais il a dit dans la parole, je fais passer mon peuple dans le désert yet he took them pour changer
leur cœur de pierre en cœur de chair pour ramollir leur cœur, pour enlever tout ce qui est trace de souffrance en eux, pour enlever tout ce qui est endurci. Parce que dans la souffrance, le cœur devient endurci. Le cœur ne peut plus reconnaître Dieu. Their hearts had a hard time recognizing God. Dans la souffrance, when même you lorsque suffer, Dieu te dit, in suffering, je when God béni, tells you I blessed you, ça te semble bizarre. It's hard for you to accept. Tu as l'impression it. Que ça peut pas t'arriver. You feel like it's not possible for you. Parce que le cœur a connu trop de blessures. Has been so le cœur a été trop blessé. So much. Et quand la parole de Dieu vient, your ça heart. Tombe sur des pierres. Amen. Ça ne peut pas monter. Alléluia. It falls on rocky grounds. He cannot come in, cannot get in. Et c'est pourquoi Dieu a fait passer son peuple. That's why God took his people through the desert to change their hearts. Pour que ce cœur soit un lieu de production. So that their hearts become a place of production. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, je définis le cœur comme la chambre de notre âme. And I want to define, I define our hearts as the room of my soul. C'est ça, c'est-à-dire mon âme est comme une grande maison. Okay, let me explain. Mais mon cœur est comme la chambre. It's like a alléluia. Big house. Parce que dans une maison, il y a des compartiments. Like il y a la cuisine. Il y a des rooms, il y a des salons. Like in a house, il y a beaucoup d'espace. Many rooms. Mais le cœur have est kitchen, comme la chambre. You have the living room. Alléluia. But my heart is like the bedroom. Et c'est pas moi qui le dis. Matthieu 6, verset 6. And it's, nous dit quoi? The word of God says it. Quand tu veux Matthew prier, 6, entre dans ta chambre. The word of God says, when et you want to pray, go into your secret avec ton go père, into your room and close your door. And in the secret with your father, talk to him. Mais mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'on fait dans une chambre? But my brother, my sister, what do we do in a bedroom? On dort. We sleep. Ça veut dire on repose, on se repose. So we rest. On fait quoi? On fait quoi? On parle très fort, amen. On médite. We meditate. On prie. We pray. On prend des décisions. We make decisions. On réfléchit sur des projets. We think about projects. Donc la chambre en somme est notre intimité. So basically our bedroom is part of our intimacy. C'est la partie de la maison the part of qui the représente notre intimité. That represent our intimacy. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a dit dans la parole, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre. Pray, ça veut dire quoi? Ouvre ton cœur. Parce que le cœur devient la chambre où nous partons rencontrer Dieu. Is that bedroom where you go meet God. Nous rentrons en intimité avec Dieu. We get into intimacy with God. Alléluia. Amen. On rentre dans la présence we avec enter Dieu. The presence of God. Puisque nous dit lorsqu'on veut lui parler qu'on puisse because rentrer dans notre chambre. When we want to talk to him, we should go on devient to our un room. Avec lui. So we become one with him. On rentre sous son manteau. We go under his presence. Si le Saint-Esprit est notre époux, alors nous rentrons. On rentre toujours Holy, sous le manteau avec nos époux Spirit, et nos époux. Amen. The Holy Spirit is our companion. Amen. So we get into intimacy with our companion. That's what et la the chambre, Holy Spirit is. C'est le lieu de la fécondité. And that's why we enter the room. Amen. To get intimate with the Holy Spirit. And the room, the bedroom is the place where we produce. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on parle de fécondité, le lieu doit être fertilisé. Pour qu'il y ait fécondité, amen. When we talk about production, we talk about fertility. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton époux rentre dans une chambre qui est désordonnée, qui est sale. Penses-tu que ton époux va rester? When your companion il va se chercher au salon. That is all over the place, where everything is all over the place and it's not clean. It's not. It's gonna get out of the room. Il y a des gens on peut pas s'approcher de leur. I'm telling you, there are people you cannot even enter in their room. Their bed is désordre total. All over the place, the disorder is in the room. Amen. Enfant de Dieu. Désordre total dans chambre physique. As children, alors que la parole de Dieu nous dit quoi dans Hébreux? In our physical bedroom, we need to be. C'est qui en physique provient du spirituel. The word of dans cette chambre est désordonnée physiquement, ça veut dire quoi? Physical comes from the spiritual. Amen. Amen. So if your room physically is in disorder, is disorganized, that means that spiritually your room is as well. Donc c'est un lieu où nous rentrons dans l'intimité. So again, it's a place where we get into intimacy.
Alors que lorsque le Seigneur nous a donné le parvis, le lieu saint et le lieu saint des saints, quel est parmi les trois le lieu le plus saint, le lieu d'intimité? Among the holy place. C'est une question. And the most. C'est le lieu saint des saints. The holy Donc la chambre is qui symbolise notre cœur est le lieu saint des saints. C'est là-bas que Dieu vient nous rendre. For the holy of holies is where God comes and meets us. C'est pourquoi le Seigneur tient beaucoup compte de notre cœur. Dans la réalisation de la bénédiction sur notre vie, il regarde à notre cœur. Il ne regarde pas à l'apparence, alléluia. Il regarde à notre cœur. Quels sont les projets qui sont dans nos cœurs? Des projets coupables? Des projets d'aller faire du mal aux gens? Do we plan to hurt people? Et on vient, Seigneur, are those the kind of prayers that we heard about our hearts and we come to God and we're like, God, bless me, bless me, bless me. Il entend ce qui sort de notre bouche. God hears what comes from our mouth. Mais il regarde ce qui sort dans notre cœur avant d'agir. What happens in our heart. Amen. Before c'est quand Dieu peut tromper les hommes, peut pas tromper That's Dieu. That's why we say, you can lie to men, but you cannot lie to God. Alléluia. Amen. Donc, vous convenez avec moi que là, le cœur est notre chambre. So you agree with me là that où your nous rencontrons le Seigneur. Your room, the bedroom, like where you meet Est-ce God? Que nous allons arranger ce cœur pour Are que l'époux puisse être toujours présent là avec nous? So that the Holy Spirit will stay continuously with us. Le Seigneur vient, il regarde l'état du cœur là. Aïe. Sometimes God comes and sees Amen. Our heart and he's hurting. Et nous partons toujours avec le cœur, Apocalypse 3, verset 20. In Revelation 3, Revelation 3 verse 20. La parole de Dieu nous dit Amen. Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. The word of God says, Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will enter his house and dine with him and he with me. Alléluia. Amen. Donc notre cœur a une porte. So that our heart has a door. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi c'est une chambre? C'est une chambre qui a une porte. It's a room that has Donc notre cœur a une porte. So our heart has a door. Et le Seigneur se tient devant cette porte. And God et is standing before, in front of that door and he's knocking. Et ce qui ouvre cette porte de notre cœur, c'est quoi? And what opens the door of our heart c'est notre volonté. Is our will. Personne ne peut ouvrir cette porte. No one else can open that door. À moins que quelqu'un ait programmé une ouverture pour toi quelque part. Alléluia. Amen. Quand on n'est pas dans le Seigneur et que quelqu'un allait quelque part sur les montagnes, dans les eaux, pour aller accomplir des choses, le malin peut venir fracasser ta porte. Lui, c'est un violent. La Bible dit dans Jean, sa mission, c'est de venir violer, détruire, piller. The devil can actually force our doors. Mais dans le Seigneur, But in God, celui qui va ouvrir cette porte, c'est toi, c'est ta volonté. Le Seigneur même se tient derrière cette porte ourselves. Parce que Dieu n'est pas violent. God Jésus Christ stand by est venu avec la like douceur. He will Mais not tant que tu n'ouvres pas cette porte, lui se tient. As long as you do not open the door, Donc, God will be standing there. Quand on dit souvent ouvrez vos cœurs, so when we usually say open your hearts, quand la parole de Dieu vient, ouvre ton cœur, reçois cette parole. Receive, open your heart and receive that word. Le Seigneur dit tu as tes papiers. God le Seigneur dit tu as telle chose. Tu es là. Mais à cause that. De la souffrance et ton cœur, ton cœur endurci. Mais quel papier? Quel papier? Amen. Having a heart et la parole la tombe. Alléluia. And the word of God comes. Mais quand la parole tombe Sur quoi la parole est tombée? The word of God, the seed coming from him, fails. Sur quoi la parole fails. Est tombée? But what, where is the seed falling? Alléluia. We believe in that the word of God is falling on that fertile land. Et la parole dit que si ça tombe sur une terre fertile, And ça produit. Says that when it fails, on voit les fruits. Mon frère, ma soeur, it produces fruits. On doit voir les fruits. We need to see those fruits. Pour voir les fruits, faut que la terre soit fertilisée. To see those fruits, pour que cette terre soit fécondée, pour donner la production. To produce nous devons travailler nos cœurs. We need to work nous devons our travailler, hearts. Laver ces cœurs. Alléluia. Wash our hearts. Quand le cœur est propre, c'est pas toi qui parles. When our heart is clean, you're not the one talking. God himself comes and works for you. Il agit. Amen. Premier cas, hein? Il a entendu,
mais il n'a pas compris. The word of God says, the first state of heart, he heard the word of God, but he did not understand. Quand quelqu'un dit j'ai compris, dit non. When someone tells you I understood, he tells you. Alléluia. Ça veut dire que c'est rentré. That means he understood it. Now. C'est rentré. He understands it. On te parle. Tu poses des questions, on te parle. They tu poses des questions. You ask questions. They tell you again. They ask questions. They tell you again. Then you're like, that means. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on puisse saisir sa parole. God wants us to understand. Et quand tu saisis la parole, to receive His word, ça te rentre dans les entrailles. Ton cœur se dilate comme ça. Your heart is et la parole maintenant pénètre, pousse la racine. Gets into your soul. Et quand la parole pousse la racine en toi. Ça veut dire quoi? Tu peux plus te détacher de cette parole. That means you cannot detach yourself from that word anymore. Mais on écoute la parole. But unfortunately, sometimes we hear the word of God. Quand quelqu'un fait sortir une parole de bénédiction, and especially if it's a word of blessing, and you know that word is true. Mon frère, faut pas oublier ça facilement. Don't forget about it that easily. Mais tu t'assois et tu prends la parole. Tu parles c'est la parole et quand tu veux douter, c'est ça les inquiétudes. That was given to you. Troisième cas de cœur. Alléluia. Je reviendrai sur le deuxième. Troisième cas. Let's jump c'est les soucis third de ce monde. The third one talks les about soucis, les the inquiétudes. Troubles of this word. Des chrétiens qui ont des soucis, qui ont des inquiétudes. La parole ne peut pas pénétrer. If you are too worried, the word of God cannot get into dans la parole, your heart. Les soucis de richesse. Mais on peut the word of God talks about making money. La parole de Dieu dit the dans le psaume 23, alléluia. The word of God says in Psalm 23, grâce et bonheur me pourchasseront. Jusqu'à habiter dans la maison de mon Père you, pour des jours sans fin. And I will dwell in the presence tu of ne veux Lord pas faire les nombres. Le verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, et tu veux jumper dans grâce et bonheur me pourchasse. It's too easy not to follow the will of God and then you want to be la blessed. La parole de Dieu dit que grâce et bonheur me pourchasse. The word of God says la parole de Dieu ne dit pas que moi je poursuis les richesses. Alléluia. God doesn't say I will run to grace and là où Jésus est debout, la parole de Dieu dit quoi? Tout genou fléchit devant le Seigneur et tout l'homme confesse qu'il est Seigneur. Dans Jean chapitre 1, la parole de Dieu in dit quoi? The name of Jesus. Tout a été créé par lui. Everything was created par la parole. Donc si tu as Jésus qui est debout dans ta vie, so les gens vont Jesus te voir. Alléluia. Tu n'as pas besoin de te promener. Les choses vont venir vers toi. Il a dit dans Isaïe, alléluia. Blessing will come to you. He said in Isaiah. Quand ta lumière brille, rise up. Les gens viennent. For your light is les gens vont quitter. La bénédiction va te pourchasser. Blessing is going to come to you. Parce que ton cœur est en train d'être nettoyé. Because your heart is being clean. Alléluia. Amen. Et le premier état, c'est grave. C'est-à-dire, tu entends la parole, mais tu ne comprends pas. L'incrédulité totale. Et le diable vient te voler. The word, il y a des gens qui sont ici, c'est qu'ils ont écouté. Unfortunately, there are people that come here, when whatever they hear in the presence of God, when ils they come to this place, when, as soon as they go out, they don't remember what they heard here. Quand tu passes trop vite à autre chose, tu oublies. Because it's too easy to forget about it. Je dis, qu'est-ce que vous avez saisi? I ask them, what do you remember? What do you remember? Amen. And they're always like, they don't want to answer to the question. Et toi, tu as saisi quoi? Mais pour que la personne dise ce qu'elle a saisi, et si elle arrive à faire sortir, ça, elle a gardé. And I do that so that people can remember what they've learned, so that he can parce que tu ne peux pas aller dans la présence du Seigneur, écouter une parole, et le diable vient te vendre cette parole-là. To go in the presence of the Lord, listen to the word of God, and let the devil steal that word from us. C'est des cœurs vulnérables. And those are vulnerable hearts. Le premier état dont le Seigneur parle, les cœurs vulnérables. Vulnerable hearts. C'est-à-dire quoi? Le diable peut venir manipuler ton cœur n'importe où. Can come and play with your il peut venir voler he, tout. Il peut venir mettre tout dans ton cœur. He can come and put whatever you il want peut venir salir ton cœur. Il peut te voler la parole de bénédiction que Dieu. Parce que quand la parole de bénédiction sort, c'est une bénédiction qui se plante dans ta vie. And steal whatever the blessing that God gave you through His word. Et le Seigneur dit pourquoi il peut voler parce que tu n'as rien compris. And God says l'ignorance, alléluia. L'incrédulité. Mon frère, ma soeur, on avance tout à l'heure. Nous allons prier fertilité du cœur ce soir. We're not pray for God dans l'intercession, nous avons vu des cascades d'eau qui ruisselaient comme ça. Amen. Ça va toucher, ça va fertiliser. Ce petit peu va se lever, mais des grandes choses vont se passer. The parce que la parole va résider dans nos cœurs. La parole va s'enraciner en nous.
Dieu nous a promis. Il nous a dit, voici ta parole. Cette parole-là doit t'arroser. Ça doit toucher les racines de profondeur. Alors aujourd'hui, ça va casser. Ça va briser au nom de Jésus. It's gonna destroy whatever is standing before it. Il te vole. Alléluia. Il te malmène. Mais ce soir, il faut lui dire, mon cœur a été fragilisé, c'est vrai. Vulnérable, ce soir, tonight, je vais te fermer la porte. I'm gonna close, je vais te jeter dehors. I will throw you away. I'll and close my door tonight. Door. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième cœur que le Seigneur heart. Situe ici, le cœur qui entend la parole, c'est un cœur très disposé qui entend la parole. Et quand la parole vient, tu es béni comme ça. Alléluia. And the second state of heart is a heart that receives the word of God and understands it. Amen. Mais c'est des personnes qui ne sont pas fortifiées. It's the kind of hearts that are not strengthened. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas fortifiés comme la parole de Dieu dit. Ici, ils ne sont pas consistants. As the word ils ne sont pas fermes. They are not firm. Ils n'ont pas de racines. They don't have any roots. Donc, devant les persécutions, so when persecutions come, il dit ici, ils y trouvent une occasion de chute. Donc, ils abandonnent très vite devant une épreuve, devant des persécutions. Et il dit des persécutions à cause de ce que tu portes la parole. Les gens jettent l'éponge. And it says that they give up whenever the persecutions come on the way. Des tribulations viennent. On se dit, ah, le Seigneur m'a oublié. Tu ne dois pas laisser cette tribulation t'empêcher d'aller toucher la bénédiction à travers la parole que Dieu t'a donnée. From the word of God, through the word of God. Et des personnes jettent l'éponge. And they easily give up. Voilà. Alléluia. That's what the troisième état de cœur ce soir. Mon frère, ma soeur, si tu es dans quel état de cœur? As we depuis que tu écoutes la parole de Dieu, pourquoi la parole n'arrive pas à s'enraciner? Pourquoi la parole n'arrive pas Why? À produire dans ta vie? You have a heart tu es dans quel état ce soir, mon frère, ma soeur? Troisième état. Ask yourself, what is your state of heart? Un cœur qui est rempli de soucis. And the third il le dit one. Très bien. Au verset 23, celui qui a reçu la semence, au verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, mais en qui? Il parle de one who received the seed among the thorns. Mais en qui les soucis du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. But in whom we find worldly anxiety and lure of riches. Donc un cœur qui est rempli de soucis, des inquiétudes. So our heart is the heart that is full le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter. That's what God is de ne pas avoir de soucis. Be troubled, parce que ces soucis, ces inquiétudes bloquent. Do not be anxious. Block la production you dans nos from the production. Il dit ses soucis étouffent la parole. It's keeping it from producing. Tu es dans quel état ce soir? What is the state of your heart? Le Seigneur t'a dit des paroles. God gave you blessing through His word. Dans tel état la même parole. Ils vont en Afrique, même parole. Different places, ils viennent ici, même parole. Same word, mais ça veut dire que over. C'est une bénédiction qui est là. C'est la parole de Dieu. Alléluia. It's mais pourquoi the word cette parole n'arrive pas? But why don't you see that word of God being fulfilled in your life? Il y a des ronces, il y a des pierres. Are there thorns? Alléluia. Or rocks? Le premier câble de la parole ne va même pas dans le cœur. Ça tombe le long du chemin. On dit le long du chemin. Ça n'arrive même pas là-bas. It's not even getting on Alléluia. The path. It's actually falling on the path. Et le quatrième état, c'est quoi? And then the last state of heart. La bonne terre. Is the good soil. Le cœur qui reçoit la parole. Le cœur qui entend la parole. The heart that receives, hears the word of God and receives et le cœur qui word. Comprend la parole. And understands yeah. that word. C'est un cœur sanctifié. It's a c'est un cœur lavé dans Hébreux 10. It's a washed, clean. Un cœur qui est clean par du pardon. En tant que chrétien, on manque de pardon. A heart on that se is dit que la bénédiction to forgive. Alléluia. As Christians, we need to forgive. Un cœur de pardon. C'est un cœur, c'est une terre fertile. Amen. Is a fertile un cœur d'obéissance.
est une terre fertile. Of obedience is a fertile land. Un cœur de repentance. A heart of repentance. Un cœur d'humilité. Is a good soil. A heart of humility. Lavé. Is a good soil. Alléluia. It's a clean heart. Un cœur symbolise, qui symbolise la bonne terre. A heart that represents a good soil. C'est une terre, pardon, qui est exempte. It's a heart that it's an example. De tout projet coupable. It's exempt. Un cœur qui ne garde pas le mal. Bad thoughts. A heart that does not keep evil. Un cœur qui ne projette pas faire le mal. Does not plan evil. Un cœur qui n'est pas hypocrite. Alléluia. A heart that is not. Quand le Seigneur parle d'un cœur sincère, a heart that is not hypocrite. You are sincere. Ce qui sort de ton cœur, c'est ce que tu penses. What comes from your heart is what you really think. That's what we're talking about. Et c'est pourquoi il a dit dans Matthieu 6, lorsque tu veux prier, ne fais pas, ne joue pas à la comédie. That's what Amen. God has said in Matthew 6. Mais rentre en toi-même. Tu as quel problème? Don't play around, but get le problème, tu es là, mais parle à Dieu. Tu as mal à la tête, ne lui dis pas, j'ai mal au pied. When you are having a headache, quelqu'un prenne ton problème pour aller parler. C'est son problème, alléluia. When people want to talk toi, quand le Seigneur réalise ta chose, tu es tranquille, tu es béni. But you want God to hear your prayer, so open your mouth and say it. Alléluia. Amen. Quand tu te tiens dans la présence du Seigneur, ne t'occupe de personne. When you stand in the presence of God, don't care ton about cœur à Dieu, parle-lui sérieusement. Don't worry about anyone around you. Dis-lui, Seigneur, just open your heart and tell me, God, this is what is going on. Tu dis, ah, donne action de grâce. Ah. Some people mais toi-même, tu es là, mais tu sens qu'on fait de toi, c'est pas action de grâce que tu dois faire. Mais tu dois vraiment. And you feel like in your heart, it's not really giving. Mais Seigneur, je te bénis là. Ton cœur même n'est même pas bien de bénir. Le problème même te travaille. Laisse, je te bénis. Pour lui dire, Seigneur, voici mon problème. Forget about this. Alléluia. Voici, si je ne me sens pas bien, mon cœur ne va pas. I'm not feeling good. My heart is not feeling good. Et il va, tu t'ouvres, tu n'es pas you tu es en open your heart and you are true. Alléluia. True to God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi nous devons travailler notre cœur. Beloved of God, we need to work on our hearts. Si on veut que le Seigneur réside puissamment if en nous. We want God si nous voudrons to que la parole que nous recevons, lives, nous lisons. If we want the word of God that we receive. Si nous voudrons comprendre. To, if we want to understand it. Alléluia. Amen. Si nous voudrons comprendre cette parole. If we want to understand that word. Nous devons voir qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. We need to find out what's going on in our hearts first. Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? What is the state of our heart? Le manque de pardon bloque tout. We do not forgive and it's blocking us too. Des blessures et des qui sont en nous. Mais Dieu ne peut pas, il nous a dit. And we keep il ne peut pas venir mettre un habit neuf sur un vieil habit. Amen. That pain il faut enlever ces vieux vêtements qui sont sur le cœur. Il faut les décharger. Nous sommes des enfants libérés. Libérés par la croix. Alléluia. Jésus qui s'est payé le prix pour nous. Tu ne peux pas être là et puis ne pas être free, ne pas être libre. The price for us. We are free. Amen. Nous sommes free. Alléluia. Amen. Gratuitement free. Alléluia. Amen. Alors nous ne devons pas nous laisser là les choses dans nos cœurs. So les choses ça nous travaille. Ça nous donne des maladies. Alléluia. Des douleurs à la tête. Ça empêche la parole même de résider. And it's keeping the word of God. Parce que la parole ne peut pas venir siéger sur des cailloux. The word of God sur des pierres. Il faut enlever ces pierres on rocky grounds. We need to take off those rocking up. Il faut enlever ces ronces. We need to take away. We need to take il faut chasser le malheur. We need to let qui go. Vient voler la we bénédiction. Say no to the devil that comes and steal away our blessings. Le Seigneur donne la parole prophétique qu'on doute. C'est pas facile. God gives mais quand us tu vois prophecy, que les doutes sont là, mais lève-toi et travaille, alléluia. When you ne t'assois pas là pour que les doutes viennent casser stand up and ta foi. Work on it. Don't let any doubts lève-toi dessus, show your alléluia. Faith. Alléluia. Il dit sanctifiez vos cœurs. God says sanctify your heart. Par le sang de Jésus. With the blood. Et par le feu du Saint-Esprit. The blood of Jesus and the fire of parce que si tu ne sanctifies pas le cœur, puisque le cœur est le lieu de résidence de la parole. If you do not sanctify your heart, which is where the word of God is supposed to dwell. Quand la parole va venir, la parole est la bénédiction. When the word comes, elle va venir se reposer sur ces choses-là. It's going to come and be on those.
things that are already occupied in the place. And if it's sitting on what is already there, it's not going to produce. It's just going to stay on the surface. Mais quand tu débarrasses ces choses, but if you clean quand la parole s'assoit, you make some space for the word of God to come in, the word of God is going to come in, and the word of your life produce what it's supposed to. Est-ce qu'on a saisi quelque chose? Amen. Est-ce que le peuple de Dieu a saisi quelque chose? Amen. Alors mon frère, ma soeur, notre terre, notre cœur doit être fertile. So our hearts. Il y a un frère qui a fait quelque chose. Tu as fait quelque chose. Moi souvent j'ai dit attends. Je suis libéré. La croix m'a libéré. Je suis free. Alléluia. Je peux pas me comporter comme un enfant du monde. Quelqu'un t'a fait quelque chose. I'm a child of God. Tu es en train de mourir. Toi, I'm not going to keep that in my heart. Ton cœur dessus. I'm going to let it go. Mais non, va, mon frère, vraiment, mon cœur. You're going to go talk to that person that hurt you. Tu es free. Alléluia. Tu es libéré. You do that and that is gonna set you free. Peut-être ce frère ne pense même pas qu'il a fait quelque chose de mauvais. Lui, il avance là. Et toi, ce que tu es en train de maybe that person did not even know that they hurt you. Et you in your place, you by yourself, you suffering. Par le sang, par le feu. But set yourself free and go talk to that person. Il y a trop de choses sur nos cœurs. La parole va rentrer où? And there's no place for the word of God. S'il y a assez de pierres, la semence va rester à la surface. The word of God says, et quand le soleil va se lever, the word of God is going to stay on the surface and it's going to dry. Mais toi, tu as donné la parole. Pourquoi la parole produit? And sometimes without God, le soleil a desséché. You gave me the vase, but I don't see the fulfillment. La parole. Alléluia. Alléluia. Mais au lieu d'aller encore prendre la parole, d'où se promène. Et on a dit ta prophétie sur ma vie, prophétie ici, prophétie. We easily run. We run to prophecies. We want quand tu as pris cette prophétie. Maintenant que ça fait des années, des années, des années. And it's been years we receive that those prophecies, those words of God. Seigneur, ask God. C'est ton temps qui n'est pas encore arrivé. Maybe it's either your time that has not come yet. Il y a des pierres qui sont là qui vont bloquer que la chose puisse pousser, s'enraciner et puis pousser. Alors si c'est le cas, and if it's bien, myself keeping the blessing from producing, tout ce qui est sur mon cœur, then I'm gonna je dois les enlever. Then I'm gonna let it go. Mais tu vas voir des choses extraordinaires. And you're going to see the word of God working in your life. You're going to see miracles happening in your life. Forgive to people. Si tu as fait palabre aujourd'hui avec ta femme if ou ton mari, fight today with your wife la parole or your de Dieu husband, donne des portes de sortie. Ou bien avec ton frère, tonight, il dit que le soleil ne se couche pas. God says, don't let the night come ne laisse rire dans ton cœur pendant la nuit. With your companion. Trouve une solution, alléluia. Find a way. Pour t'affranchir avant d'aller dormir. Find a way to reconcile. Et tu laisses ça sur ton cœur. Tu vas you ta go chambre, to bed. Et tu veux que ton époux vienne. Il va pas venir. Amen. Parce que c'est un époux de sanctification. Amen. God is not gonna come to you if you still alors ce soir, mon frère, ma soeur, against someone. Nous allons prier. Because it's a pour que nos cœurs soient nettoyés. And tonight we are gonna pray. Pour que tout ce qui est blessé so sur nos cœurs. May be sanctified. Le Seigneur a besoin de notre cœur pour faire pousser la bénédiction. Nous allons purifier et sanctifier au nom de Jésus nos cœurs. We're going to sanctify our hearts tonight. Que nos cœurs soient ramollis. Amen. May our hearts be open. Que nos cœurs soient ramollis. Que nos cœurs puissent produire en abondance. May our hearts produce abundantly. Quand la parole était en train d'être donnée, dans quelle situation tu te trouves, mon frère, ma soeur? Where did you find yourself? Est-ce qu'une terre fertile? When we read the word of God, is comme il a heart... dit, celui qui entend la parole et qui comprend la parole produit. Is your heart a fertile land? A land that can produce? As-tu encore des soucis de ce monde? Des soucis de are richesse, comme le la parole nous dit, des inquiétudes à ta vie. Of worldly anxiety. Ou bien es-tu encore sous emprise le diable? Tu es encore vulnérable, le diable peut venir te voler, te manipuler ton cœur. And the devil can come and destroy. Parce que si c'est dans ce lieu you. Que le Seigneur a disposé la bénédiction dans cette intimité, dans le cœur, faut te dire que le diable ne va jamais laisser ton cœur en paix. But let me tell you that if God has put the blessing in your heart, the devil is never going to let you rest. He's going to do what he can to alors, keep you from that blessing. C'est ce pourquoi ce soir commence that's why tonight, à voir cette parole se promener en toi. Start saying that word of God in your life. Commence à voir cette parole. Think about the word of God that you received. La parole vient the word of God comme la lumière. As a light.
afin de pouvoir éclairer ce qui se passe à l'intérieur de vous. What's going on in your life? Quel est l'état de ton cœur ce soir? What is the state of your heart? Quel est cet état? Pourquoi la parole n'arrive pas? What is keeping the word of God? À te faire marcher selon la volonté du Seigneur. From walking according to the word of God. Et toutes ces paroles que tu écoutes, que tu entends. And all the word of God that you receive, that you hear. Pourquoi la parole ne peut pas produire? Why can that produce in your life? Tourne ton regard et vois l'état de ton cœur ce soir. Look at your demande au Saint-Esprit. Look at quel est l'état de mon cœur? Ask the Holy Spirit, what is the state of my heart?